Rússia le remédio. A rua é a cura. Aleluia, amém. La Rússia le remédio que nos ouve. Aleluia. Aleluia. Seja o Senhor. Aleluia, só o Senhor. Então, mensagem 3. Nos arrivou em si a mensagem 3. Jesus. Meus dois companheiros, né? É, me deu companhão. Emerson e Douglas. Me deu amigos. Emerson e Douglas. Amém. Silvio Santos. Silvio Santos. Eu chamo de Silvio Santos. Gera a pele de Silvio Santos. Vai começar, vai lá. Estava como assim? Aleluia. A importância da palavra profética. A importância da palavra profética. O primeiro ponto que nós vamos ver, não é? Ele é o primeiro ponto que nos alongou. É investidores do reino. Eu sugiro ele investidor do reino. Queria só a primeira mensagem. Nossos irmãos já falaram conosco, né, sobre servos. A primeira mensagem de amigos e irmãos. A gente vai aqui no som de servidor. A mim e Frei. Geração Santa. Para os amigos na conferência, os adolescentes foram ajudados a entender que eles adolescentes esse assunto de ser amigo de Deus, porque é muito fácil você romantizar o assunto. Se trouxe fácil de romantizar, falar que você é um amigo de Deus, de falar que não sou, mas se você é um amigo de Deus, é se você é um amigo do apóstolo, você é amigo do apóstolo. Se você é um amigo de Deus, você é amigo daquele que Deus tem usado para falar nos dias que você está aqui na terra, não é? A utilizar por parler. Então é muito importante, eu considerei isso uma grande dica, né, que foi dada para os adolescentes. Um grande avertimento para os adolescentes. Que é escrever disso? Te acompanhei a palavra de pré. Nós temos palavra profética a palavra profética. As quintas-feiras, nós vamos a palavra profética que Deus fala para semente. Jeudi, samedi, de manhã só. Talvez muitos de nós não consigamos acompanhar o teto que o Pocu de Nuno, para mim, né, na Rio para acompanhar. Deus tem uma boca na terra, que tem um apóstolo, nós estamos referindo hoje que, o irmão Pedro Dong, né? Nos avão então, em si um busto na terra. A busca de Deus, nos soma um tanto de dica que você Dong. Então você pode estar na Rio para acompanhar. Nas mensagens, se não que deu tempo, pode ouvi-las, não é? Na mensagem, vou por ver, então, é muito importante. Isso, de fato, é ser um amigo de Deus, não é? Tá, e se você está, você está na mídia, né, a mensagem 2, nós vamos escutar a mensagem 2, sobre a vida da igreja, a ressurreição, uma coisa maravilhosa, que o Senhor está nos tirando daquele costume, daquele hábito antigo, atitude, achar que uma pessoa que serve a Deus, que ama a Deus e vai uma vez por que semana Deus, num que culto, numa reunião, Deus, não é? Uma pessoa que vai alegria o Senhor quer toda a nossa vida. Não, mas o Senhor quer todo o nosso tempo. Na outra vida. E se nós não temos completo. Tempo, o Senhor quer o nosso então, coração, não é? Se você vamos não falar, está envolvido, pelo então, menos você está apoiando, encorajando, também ajudando a promover. Campo. O poder de nós vimos, né, o irmão Maurício, o poder de a promover no terreno nos mostrou maravilhosamente, para rapor, né, testemunhagem, o poder de nós no Senhor Amontre, o povo os nossos capitães, e de ano utilizando o poder de Deus, não é? Outro capitão, outro entendão, pregar o evangelho, convidar as pessoas, fazer o vem e ver, e que no povo anvitele pessoa. Senhor Jesus, amém. E sobre investidores do reino, amém. Eu gostaria para de hoje mostrar do um raião, pouco para os irmãos, quais são as características que pode te ajudar ser investidor do reino. Nos ED é um investidor do raião. Eu, pessoalmente, quando irmão Dunga passava, falava passei quando o Frei Dunga palestra, ele utilizou o termo ministro de riqueza material, e já me souvi no fogo que já dizia ali. Fredon, já não pôr para ser ministro de riqueza material. Alô, ele é tornei vermoa. Ele disse, você tem um pouco panta legião. Você vê rien compri. Já tem um coração. Ele disse, diz que lá, ministro de do Arravá. Ele disse, do Arravá, um cão. Você sabe que ele é de Doravó Anca. Já me remontrei o Frei que se sujeito totalmente, ele é um rapor totalmente com a palavra profética.
não rapovec, a rolo profetica. Portanto, que quer que eu ensine a um dizime, ele não estava como um fé. Já me revozede. E já me rei, nisso alemão, eu pedi a etra investição do raion, mas devo etra promotor, celui que vai promover les offrandes do Senhor. On va débuter ici avec le livre de Isaïe. Então aqui diz que como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra, fazendo-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Veja que maravilhoso, irmãos. O Senhor, para mostrar para nós a importância da palavra e como deve ser recebida a palavra, como deve ser... Como la pluie, la neige descend des cieux et ne retourne pas sans avoir arrosé, fécond la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeau et de pain celui qui mange, ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et ne retourne pas à moi son effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La terre va produire les semences, les pains pour la nourriture. C'est la même chose qui va sortir avec la parole qui va sortir de la bouche du Seigneur. Si vous faites attention ici, c'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Ici, quand on dit sort de la bouche, c'est la parole qui sort de le moment. La pluie qui tombe, c'est la parole qui tombe sur le moment. Si vous regardez les fleuves ici, il a besoin de pluie. La même chose, c'est nous besoin de la parole, de la pluie. Le Seigneur est en train de parler aujourd'hui. Si vous ne donnez pas attention à ce que le Seigneur parle aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que c'est investissement du royaume. Vous n'allez pas comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire le sujet des princes des adolescents. On ne va pas donner l'importance de faire un CPEV. Lever la main, celui-ci qui c'est lui qui n'a pas été sur le CPEV. Jamais été sur le CAP. On va voir ici, si jusqu'à la fin de la réunion, que tout le monde ici soit investisseur du Rayon et CPEV. Il va aller au CPEV. Fais attention ici dans cette verset que le Seigneur fait comparaison. La parole avec la pluie. Cette parole ne peut pas retourner vite. C'est une parole pour exécuter. Ici dit, cette parole ne va, vient pas à moi. Ne retournerai pas sans avoir arrosé la terre. Qui ici réalise l'œuvre de Dieu? C'est la parole prophétique. Ici, c'est clair. La parole, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le secret. Aujourd'hui, nous avons des jeunes de 18, 19, 20, 21, 22 qui sont en train de faire l'œuvre du Seigneur de la fin. E como que eles font l'œuvre du Seigneur se eles sont des jeunes? Frère, c'est parce qu'ils sont pleins de la parole du Seigneur. Ils font immersion tous les jours. Amen. Ah, ici, c'est un vraiment grand lumière que le Seigneur nous a donné. Dans cette communion, nous avons appris que nous avons besoin de ruminer. Ici, 2e Pierre, 1:19. Et nous tenons pour d'autant pour certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à
que les jours viennent apparaître. Et l'étoile du matin se lève dans vos corps. Et nous pouvons voir ici l'étoile du matin, elle va se lever bientôt. Quand nous avons parlé de l'histoire de l'Église, pendant 1901, la parole prophétique n'a pas été dans le milieu du chrétien. Il y avait une parole ici, une autre parole là, mais elle n'est pas constante. Mais dans les derniers 6, 7 ans, ça s'intensifie beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur va retourner dans notre génération. Le Seigneur est en train d'intensifier la parole prophétique parce qu'il va retourner dans notre génération. Et nous avons été appelés. Et nous avons l'honneur d'être ici. L'objectif de cette conférence est de faire ici, que chacun de nous ici pour assumir sa position et d'être un capitaine de tropes pour apporter le Seigneur, la venue du Seigneur. Maintenant, le Seigneur est en train de nous appeler pour assumir, pour prendre cette position avec les jeunes. Prendre cette foi qui est avec eux. Parce qu'ils sont pleins de la parole. Vous pouvez voir ici quand on dit ici, viens ici pour partager. On a ici un. Il y a beaucoup de jeunes ici qui viennent. Ils viennent vite. Ils n'ont pas besoin ici d'être triste. Le Senhor vai changer notre história. Le Senhor a besoin de changer notre história. Parce que nous sommes une génération qui va porter la venue du Senhor. Moi aussi, j'aimerais lire un autre verset. Et 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est un verset qui parle la même chose d'Isaïe 55. A palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homem. Mas nós vamos ter plano do som melhor de vous, de même que nous respirons en tant de son de ses enfants. Nós aurions voulu de notre vie. Mas naqueles dias, Emmanuel, quem é esse cara para pensar que ele está falando por Deus? Paulo sofreu muito. Por que ele mencionou isso? L'apôtre Paul le souffre. Il a beaucoup souffri pour l'évangile. Les Thessaloniciens, il a reçu la parole comme si c'était une parole de Dieu. Cette verset, si on fait une immersion raffinée, on va avoir beaucoup de lumière ici. E se diz que vos acolhi a parola, não como parola de nome. Olha só, irmãos, a palavra ela precisa produzir algo. Com efeito, a parola precisa de produzir quelque chose. A parola é entrando de operar. A parola profética é entrando de operar, opa. É por qual ela é entrando de operar? Que ela é secreta. Ela é secreta e que decora. Dans cette époque-là, il y avait beaucoup qui a douté des paroles de Dieu dans l'époque de Paul. Ça a dommagé beaucoup l'Église. Mais chaque fois, plus nous sommes chaque fois livres de personnes qui doutent de la parole de Seigneur. Nous savons qu'une fois que les personnes qui ne sont pas d'accord, le Seigneur va rester. Le Senhor é entrando de descer côté le tête. Quando nos escutamos na parola, nos vamos curar na parola. Ela vai changer notre vie. Como que vou changer a vida de um adolescente? Eu sou pai, eu fui pai de adolescente. Moi, je suis père de um adolescente. Já vi uma experiência que je n'avais pas quoi faire.
J'ai appelé un de mes fils pour parler. J'ai commencé à prier. J'ai parlé, parlé, mais il me semble qu'ils ne comprennent pas, non. Ils aiment faire le contraire que ce que nous disons. Un adolescent, ce n'est pas qu'un problème dans l'Église, mais c'est un problème dans le monde, c'est un problème dans la société. Personne n'arrive pas à changer une vie d'un adolescent. Et dans un... Há longtemps ici, les conversations des adolescents, il y avait un rapport de conversation de torpe, de drogue, de sexe. Aujourd'hui, la conversation, c'est combien de kits que vous avez fait? Combien de gens que vous avez pris? Vous avez prié pour combien de personnes aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait ça? Pensez un peu, frère. Qui a fait ça? C'est la parole. C'est la parole prophétique. Pourquoi que ça arrivait avec eux? À cause de la simplicité. Simplicité. Et bien sûr, il y avait une parole prophétique. Quand j'ai vu la première fois... Il a parlé d'un enfant. J'ai crois. Mais je me suis dit avec moi, mais je ne vois rien. Quando Pedro Dong commençait à parler. Alors, commençait la pandémie. J'ai dit, qu'est-ce que ça arrivait avec les adolescents? Mais ils sont simples. Ils sont obéissants à la parole. Ils croient. Ils obéissent la parole. Ils transcrivent, ils font immersion, ils crient de guerre, ils dorment avec Dieu, ils réveillent avec Dieu. Frère, il n'y a pas de péché qui va habiter d'une personne comme ça. Si vous dormez avec Dieu, vous êtes tout étendu avec Dieu. Nous avons besoin d'arriver dans cette situation. Je me remissionnais. Mais, un instant, allons ici. Je me reparlais un peu ici, quand j'étais dans la conférence de sol ici, de femmes. Il y arrivait ici une chose. Je ne sais pas si tout le monde est courant. Mais le frère Pedro. Ele falou de uma necessidade. Eu falei com nós, com o cooperador. Eu vi, racontei isso, mas isso da porta é perva. Apelei isso. Ele falou com nós de sempre de cette necessidade. E se a estância Árvore da Vida perde beaucoup de événements. La salle qu'il parlait avec nous, c'était trop petit. On a besoin d'une salle plus grande. Alors, il a juste commenté avec le corporateur. Et soudainement, je me suis dit, elle a commencé à... Ela pris la décision d'apporter l'argent que le frère Pedro Dong a besoin pour faire une salle. J'étais étonné avec le Seigneur. Il n'y a pas d'explication. Elle a fait un congrès de femmes. Mais elle était tout le temps en train de ruminer le message. Fait immersion. Il y avait un seul, et beaucoup de ceux ici. Il a fait plus de 28 fois ou 10 fois la même immersion. Si vous prenez aujourd'hui la parole que le Seigneur fait avec nous aujourd'hui et transcrivez, votre vie et la mienne, ça va changer aussi. Mais ici, c'est trop intéressant
Parce que cette partie financière, c'est la plus difficile de notre vie. Et c'est toucher dans l'argent, c'est toucher dans ma vie. Mais elles, les soeurs, elles arrivaient à porter la nécessité, cet argent, cette ressource que la porte a besoin. La réaction est d'une personne qui est pleine de la parole, d'une personne qui est à la même pensée de la porte, elle va se mélanger avec la même nécessité de la porte. Elle vai être d'accord. Ela tem totalmente mélangée avec la parole. C'est ça le résultat. C'est ça que produit le résultat de notre vie. Je me souviens quand j'étais ici dans la communion avec elle. Il y a beaucoup de versets que j'aime beaucoup. Deuxième Corinthiens 8, verset 5. E o milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, les joies débordantes et la pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Ils ont, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec participer de l'assistance. E não somente eles vão contribuir como nos esperiam, mas eles são da qual Adonai o mesmo, da qual a vontade do Senhor. Vous voyez ici un groupe de personnes, ils sont en train de demander pour faire une offrande. Vous avez déjà vu ça? Jamais déjà vu cette chose pareille. Une personne demander de faire une offrande. Vous avez déjà vu ça? Moi, je suis en train de voir ici dans cette versée. C'est vrai, mes frères. Le Seigneur est en train de faire maintenant ici aussi. Vous savez le secret, mes frères? Les secrets, c'est dans le verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis à nous, par la volonté de Dieu. Alors, frère, quand nous sommes pleins de la parole, ce que l'apôtre dit, ce qu'il pense, ce qu'il a besoin de l'homme, vous êtes un avec lui. Vous êtes. Allons voir si vous êtes plus pauvre de ce groupe ici. Ici, verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, le joie débordant et la pauvreté profonde. Faire attention à ça. Pauvreté profonde. Il y a personne ici qui s'est plus povo que esse grupo sai, isso que se pegar na Bíblia, mas se você vê esse grupo de freios aqui, se pegar na Bíblia, e são a igreja em Filipos, e são a igreja que são líderes da igreja em Macedônia, em Filipenses 4, 15. Filipiens 4, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai parti de la Macédonie, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous foutez de cela à le faire.
Filipenses 1, 4, 5. Visão de Apóstolo Paulo, no volume, contribui aí, dando lá necessité de novo. Você sabe que está a rever isso? Eles vão ler contribuir. Participe. O que é que é um investidor do reino? Você é uma pessoa que totalmente mescla a la parole. Você é celui que ama la parole profética. Você é celui que mexe na la parole profética. Amém? Espero que isso entrando em você dê. E que nós vamos ganhar lumière, refrei Pedro. E nos aide beaucoup. Luc 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guidées d'esprit malin et maladie. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries. Le verset 2. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie dit de Magdala. Daquela ter sorti sete demônios. E João, femme de Cusá, entendance de Herodes, Suzana, e pluviou outros que l'assistaient de Lobian. Ferra atenção em si. E les autres que l'assistaient de Lobian. Já ganhei sim um nome. Por que não é participando das coisas financeiras? Porque ele é um demônio aqui no Lespa. Se você está entrando e acompanhar lá necessitei, você não ofrando para. Como é que você arrive a fessar a ED? O qual que Betani, lá mesmo de Betani? O outro era leproso. Vivia. Lá havia um outro lado na Betani que ele tem. Como viver em sociedade? São pessoas que só têm. Lá havia de pessoa que não é para a pessoa que vive na sociedade. O Senhor já não é para dar outras coisas para remessir. Quando ele tem feito no fundo, porque tudo vem de ti. Não é verdade, irmãos? Tu vem do Senhor. Para ser o princípio de ato vencedor. Eles davam tudo, colocavam o pé dos apóstolos. Quem que eles fez lá? Eles meteram ele bem do pé de l'apôtre. Todos morreram. Un mourit pour tout le monde, alors tout le monde sont morts. Et ceux qui vivent ne vivent pas pour lui-même, mais ils vivent pour celui qui l'a ressuscité. Alors, en principe, si je suis une personne de principe, tout que j'ai, c'est pas mien, c'est du Seigneur. Le Seigneur a donné la vie pour moi. Já lê Alain Fer. Já lê dormida na beliche, vê com o anticristo. O Senhor nos tirou de lá. Moivo, melhor é Senhor que tendo dessa situação. Se sala esse sentimento, diz a vez. Por que que lá já me prompa? Já lê morri por toda a eternidade. Mas mantendo já vê ressuscitada na eternidade junto. Nós vamos na esperança de ter a vida na eternidade. Alô, Fré? Vocês estão entendendo? Vocês estão entrando a cumprir?
Ça, c'est une question logique ici. Un est mort pour tout. Bientôt, tout le monde va mourir. Parce que celui qui vive pour lui-même ne vive pas pour lui-même, mais pour ceux qui ont donné la vie. Bien sûr que c'est le frère Père qui nous a aidé. Par exemple, moi j'aime beaucoup de graisse, la viande avec la graisse. Il y avait. Nous sommes du Seigneur. Amen. Ici, l'église philippiennes sont associées au Seigneur. Ici, quand on dit des femmes, je n'ai jamais compris. Ici, pourquoi qu'il se parle d'argent? Des femmes qui sont en train de soutenir les 12. Quand j'ai lu ça, je n'avais pas compris. Quand le Seigneur a multiplié les pains, combien de fois il y a ça dans la Bible? C'est deux fois, hein? Et 33 ans, il y avait multiplication que deux jours. Dans le reste de sa vie, comment qu'il a soutenu les 12 apôtres, la vie là avec le ministère? C'est avec les sœurs. Ici, cette femme, elle a mis les biens au pied du Seigneur. Elle dit, à qui appartient votre voiture? De qui? Yeah. Vous voulez offrir votre voiture? Opa! J'étais dans une réunion où le frère a dit, demain, nous allons réunir parce que nous allons acheter um terreno. Dans cette jour-là, il y avait que 14 pessoas. 14 pessoas, ela disse: j'ai rien pour donner. Eles vão dizer: d'ici, só rien. Je vais donner rien. Eles vão chanter les chansons. Tout je vais consacrer. Tout je vais consacrer. Je vais les donner. Tout je vais consacrer. Entregarei. Tout mon cerveau, ben, je vais donner. Il y avait 14 personnes là qui étaient en train de mentir, qui a dit qu'il va donner. Que n'avait pas dit qu'il avait donné rien. Alors, il était au manteau parce qu'il a dit qu'il n'avait rien, mais il avait une voiture. Alors, il y avait un frère là qui lui a donné la clé de la voiture. J'avais une voiture, un Fiorino. Alors, j'ai dit, je suis venu ici, j'ai fait la même chose, j'ai dit, je vais offrir ma Fiorino, mais qu'elle avait un valeur plus bas que le valeur que le frère a dit que. Un des frères a dit, j'ai 14 000 dollars qui sont cachés, mais je vais offrir. Mais dans cette réunion, il y a. On a pris 55 000 dollars avec cette frère là, 14 frères. Je peux dire qu'ils sont des montants. Il y avait un là qui l'a dit, je vais rien. Alors, je dis, vous avez un montre, un relógio. Alors, il y a fait un offre de montre. Alors, frère, à qui appartiennent les choses que nous avons?
Nem de que vos haver rir. Não vem para disso. Não vem para ver que você pansa de povo. Pode chamar um truque lá, entendeu? O povo ver. Mais coisa tem, entendeu? Combina pro povo, plus de choses nos avons. Nem de jamais que vos haver rir. Nous avons beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin. Je suis très perdu ici. Aidez-moi, Silvio Santos. Allons-y terminer ici. J'avais 24 minutes, mais je ne vais pas utiliser. Je vais juste parler ici. Qu'est-ce qui s'arrive avec l'adolescent? Frère. J'ai déjà fait un commentaire. J'ai une fille qui a passé dans l'adolescence. Il va arriver un moment. Et vous ne va pas savoir quoi faire. La société ne sait pas quoi faire avec un adolescent. Qu'est-ce qui fait un adolescent assis ici? Devant. Dans les chaises qui sont devant. Et si pour faire pire la situation, comment que vous allez faire un adolescent transcrire et écrire une message? Je suis en train de dire aux adolescents, qui a fait ça? C'est juste la parole qui peut faire ça. C'est la parole qui a fait ça avec les adolescents. Il y a des gens qui sont en train d'attendre des miracles. Mais ça, c'est un des plus grands miracles. C'est de changer un adolescent. Et quel est le secret de cette adolescence? C'est la même chose de la congrès qu'il y avait des femmes. C'est la même chose que ça va arriver avec les capitaines de troupes. Alors, frère. Allons-y apprendre a valoriser la parole prophétique. Le Seigneur nous a donné le cri de guerre. Je sais qu'il y a des personnes ici qui n'aiment pas, mais vous allez aimer. Et bientôt, vous allez aimer. C'est un cri, c'est pour quitter vous de vous-même. Vous devez entrer. Laissez vos pensées entrer. Tous les semestres, nous avons écouté la parole de Deutéronome, chapitre 6. Là, dit le Seigneur, Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, 4. Quem sabe aqui que você tem que amar o Senhor teu Deus? Levanta a mão. Você sabe, né? Eu sabia. Não só nem desse versículo, tá? Esse, escuta Israel, l'Eternel, notre Dieu, e sur l'Eternel. Quem ensina essa parte do écouter l'Eternel, le Senhor? Já sabe que todo mundo disse isso, que um do écouter le Senhor. Todo mundo disse isso. Cette genre de prédication ici, doutrinaire que les gens disent. Les personnes qui ont sorti de notre moyen ici, de notre milieu, ils aimaient donner des paroles, des paroles jolies. Ils sont... E ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Quand j'ai lu ça, ça c'est un exagère. Quand tu iras en voyage, quand tu te cocheras, quand tu te lèveras, tu le lieras comme un signe sur tes mains.
Iris e Ron como defrontou Antelesio. Imagina, vou meter ele para a pedra no telefone. Tá na teto, tá na porta. É, gente, avança, é até bizarro, mas mantendo, a gente comprou. Você lá imersiu. Jamo, senhor. Jamo. Jamo. Você de tudo, você de tudo, mancou? Ah, plus, amor. De tudo, mon âme. Ui. Avec toute ma force. Imagina, je suis gros ici, c'est pas facile. Mais nous besoin remercier le Seigneur pour la parole prophétique. Parce qu'elle a fait que vous a une vie digne, devant le Seigneur. Avant, je ne comprenais rien de cette versée. Mais grâce à la parole prophétique, j'ai compris. J'ai parlé déjà ça plusieurs fois. J'ai déjà parlé, vous allez voir Netflix. Vous êtes, vous êtes là assis jusqu'à 12 heures du matin. Mais si vous allez lire la Bible, 5 minutes, le diable dit, non, non, arrête ça, arrête. Et vous écoutez le diable. Dans la notre nature, nous sommes des mauvaises personnes. C'est pour ça que nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de l'immersion. Nous avons besoin de transcrire. Transcrire. C'est ça, hein? C'est ça. Allez-y. L'ami a commencé à parler de la caractéristique de l'investissement du royaume. L'investissement du royaume, en premier, bom, eles suivem a palavra. Se vou demandar a um freque na paf, ele levou, né? Ele não é pas entrando e suivre a palavra. Um adolescente, a característica é que ele suivre a palavra. Ele valoriza a palavra. Lami, ele é a pior rei, tipo, são das adolescentes. Ele arrenda esse mundo para changer um vídeo no adolescente. E na trupe, ele trupe capitão. É, Fred, veio de um show, isso é difícil. Tentagem, isso é trão difícil. Tentagem, trão difícil, porra, a responsabilidade da igreja. Dando é mundo secular. Então, vou ter trabalho, vou usar a Riva Fiona, responsabilidade, vou usar a Riva Organizei, vou dar na universidade, vou usar a TCC, monografia, e vou dono. Me dá na igreja de Filadélfia, senhor, donei uma oportunidade a vous, capitão, valão de Davi. Meu senhor, adonei uma oportunidade de fé, um voo. Fé é um compromisso. De ser um investidor do raio. Um engajamento. Um compromisso. Você é responsável de ser que você está entrando e curtindo o Jordão. Você é fidel ao Senhor? Se vous n'avez pas le soutien, se vous n'avez pas condition de faire les vœux, vous pensez que le Seigneur n'a pas la condition de faire ça? Il peut. Mais c'est à travers de la parole, pas à travers de son effort, de ton effort. Si vous réveillez avec Dieu, dormir avec Dieu, les adolescents font ça. Ils ont cette expérience, ils réveillent avec Dieu. Et vous, capitaine, où vous étiez aux 7 heures du matin? Comment que vous allez réveiller avec Dieu? C'est en utilisant ces outils. Le frère ami lui a donné un exemple de la femme, de ceux qui étaient
plan de cette parole. Il y avait un saut qu'il avait fait 28 fois la immersion. C'est pour cette raison que le résultat de l'événement, c'était incroyable. Dans une semaine, cette saut, ils ont apporté la valeur, la nécessité que nous avions besoin. Et vous, capitaine, ici, dans cette conférence, vous, Johnson, des capitaines, quel est le résultat que vous allez donner au Seigneur? Les frères Pedro, ils ont fait un défi. Vous, investisseurs du royaume, vous avez un défi de plus, que c'est d'apporter un CAPiste, une personne pour faire le CPF. C'est encore une responsabilité que le Seigneur est en train de donner. Vous donnez beaucoup à votre travail, à votre vie séculaire. Mais vous aussi être responsable avec les choses du Seigneur et ici d'apporter un CAPiste, une personne qui va faire le CPF. Voyez ici cette message. Il y a trois personnes ici en train de donner une message. Ah, la vie de l'église a changé. Avant, ne veut pas ça. Il y a des frères qui vont dans la réunion dimanche, c'est juste pour faire un point. Ça, c'est une chose de l'église de Sardes. Mais le Seigneur, dans ce soir, est en train d'appeler vous à faire partie de l'église de Philadelphie. Nous sommes l'église de Philadelphie. J'ai fait partie de l'église en Philadelphie. La vie de l'église aujourd'hui, c'est tous les jours. Investisseur du royaume n'a pas un souci. Nous devons être compromis avec les choses du Seigneur. Parfois, vous dites, ah, mais je n'ai pas le temps. Mais vous pouvez donner votre soutien en faisant une offrande, en donnant votre voiture. Il y a beaucoup de besoins ici, dans l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin d'être disponibles pour les services du Seigneur. Nous devons soucier avec les choses du Seigneur, non avec les choses du monde. Les frères amis ont dit de Actes 2, ils ont vu une chose célestiale. Vous êtes en train de percevoir ici une chose dans votre vie, un changement. Nous ne devons pas juste chanter « Je vais rendre tout au Seigneur », mais juste une chanson comme... Mais nous devons avoir une réaction. Qui a donné la condition pour vous travailler, pour vous étudier? Il faut donner tout au Seigneur. Si nous regardons les noticiers, nous pouvons voir que la fin s'approche. Nous pouvons voir depuis l'acte 2, l'église a commencé à entrer en dégradation. L'église a laissé cet sentiment. Nous avons beaucoup d'excuses. Nous avons des excuses logiques. La plus grande excuse, c'est des choses logiques, c'est des choses matérielles. Amém, Senhor Jesus. Frère, vous avez remarqué que tout ici se résume à quoi? Se résume dans la parole. Se nous sommes plans de la parole, les choses vão arriver. Eu sou entrando a arriver dans votre vie, opa. Donne, touchez votre feu ici à côté. Bien léger, doucement. Et parle.
Vous êtes en train de changer par la parole? Senhor Jesus. Se a palavra está mudando a sua vida, la parole est en train de changer votre vie. Tous les alicerces, la colonne, la base que vous êtes en train de construire. Dans cette terre, les choses de cette terre ne vaut rien. Ça ne vaut pas la peine d'investir. À travers de la parole, par la parole prophétique, je suis ici avec un temps. Avec un objectif, c'est apporter l'avènement du Seigneur. Vous pouvez dire, j'aime le Seigneur, j'ai fait la volonté du Seigneur, j'ai servi dans l'Église. Tout nous ici, quand nous recevons la parole, l'intention c'est de faire une chose pour Dieu. C'est ça ou pas? Mais ça, c'est suffisant. Quand le Seigneur a demandé, vous dites, j'aime le Seigneur. Vous vous souvenez là en Jean 20 ans, quand le Seigneur a dit, Pierre, vous m'aimez? Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Prends soin de mon brebis. Prends soin de mes agneaux. La réaction de l'amour et de vous réagir avec cette parole. L'amour va transformer dans une réaction. Qu'est-ce que nous avons reçu aujourd'hui par rapport au investisseur do raio? C'est de vous lâcher de vous des choses matérielles, de vous-même. Il y a beaucoup d'esprits malins qui nous apprisionnent dans cette terre. C'est ça qui fait que nous ne donnons pas une offrande. Conforme nous avons lu précédemment, à Corinthiens, nous devons lâcher les choses. Nous devons quitter dans cette prison. Je vais dire un secret, mais ce n'est pas un secret, mais je suis allemand. Il y a deux types d'allemands, deux genres d'allemands. Il y a les pão duro. Il y a des gens qui sont trop attachés aux choses matérielles, les gens qui ne sont pas. Je suis celui qui est attaché. Mais la parole est en train de me libérer. Et vous avez un escorpion dans la poche. La parole va quitter ça. Parle au Seigneur. Senhor, quitte cet escorpion de ma poche. Parce que ta parole donne une direction. Quelle est la direction? C'est d'être un investisseur du royaume. C'est de libérer des choses qui me apprisionnent dans cette terre. Quand le Seigneur retourne, un voiture qui me fait prison ici dans cette terre, une maison très jolie. Frère, nous devons être livres de cette chose. J'ai fait déjà beaucoup de compromis au Seigneur, le Seigneur a accompli. Je réalise. Mais le corps de l'homme se trompou, enganoso. Trompou. Parfois, nous allons entrer dans une normalité. Le Seigneur, il veut nous gagner pour complet, totalement, 100%. Il veut que vous aimez la parole, mais il veut que vous aussi soyez un investisseur du royaume. Vous devrez investir dans une chose
que appartient dans les cieux, dans les régions célestiales, pas dans cette terre. Il n'y a pas de quoi d'investir dans cette terre. Il existe une chose célestiale. Il y a une chose qui va porter la venue du Seigneur. Il existe une chose éterne. Le Seigneur a besoin de chaque fois plus de nous libérer de cette chose-ci. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les caractéristiques d'un corps qui est liberté? Il reconnaît la parole du Seigneur. Il reconnaît qui le Seigneur est en train d'utiliser. Vous savez ça? Alors, parle à votre fé. La caractéristique du nom de Dieu qui est livre, de reconnaître que la parole appartient à Dieu et reconnaître à ce que le Seigneur est en train d'utiliser. Maintenant, je vois que tout le monde ici est livre. Et s'ils ne sont pas livres, la parole va libérer. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou fazer uma coisa que não estava na. Ah, je vais faire une chose. Ce n'était pas dans le script. Ivan, viens ici. Très vite. Viens ici, très vite. Viens. Ivan, viens ici. Nous avons parlé de deux choses, basiquement. Excusez, parce que lui, c'est un argentin. J'aimerais juste vous montrer ici deux points. C'est un investisseur du royaume. Vous avez besoin d'apporter un piste. Le vin, il est un comporteur. Amen? Et lui, il a pris un cote d'investisseur du royaume. Il a pris un compromis. Alors, si vous êtes en train de travailler, si vous êtes en train de travailler, n'arrive pas à faire un investissement, n'arrive pas à faire un compromis, alors vous devez aller au CPF. Parce qu'il fait le CPF, il a fait un compromis. Parce que, frère, fais attention. Je vais dire une chose. Ne vaut pas la peine de vous souffrir dans la main de Satan. C'est mieux souffrir dans la main de Dieu. Si c'est pour souffrir, nous n'avons pas de temps pour rien. Le frère m'arrive, mais je n'arrive pas à ler. Parle au Senhor, sérieusement. Dans un autre côté, nous devons appeler les personnes pour faire les CPF. Nous voulons que chacun de vous ici fasse un compromis d'appeler une personne pour faire le CPF. Qui va faire un compromis? Amène votre main. Qui ne va pas compromis? Enlevez la main aussi. Je vais expliquer ici. Il y a une surprise ici. Le Ivan, cette jeune ici, il est trop précieux. Il est en train de prendre soin d'une équipe de 32 frères comporteurs. Il était allé dans l'Afrique. Il est retourné. Dans la fin de mois, il va aller au Pérou avec un groupe de comporteurs pour aider les comporteurs au Pérou. Mais vous savez comment qu'il vient pour le CPF? Ah, je vais parler, mais il va être nerveux avec moi, mais je vais parler. Le frère, vous savez comment il était ici? Il était un jeune qui était drogué. Le frère a trouvé lui drogué. Il a dit, a fait 6 ans. Il est en train de... Il a dit à sa femme, je t'aime, mais elle ne comprend pas. Je n'arrive pas comme qu'il arrive à passer 100 livres. Mais il était dans la rue à 6 ans avant
Alors le frère invitait lui pour aller se perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il est allé au CPF, il est retourné pour le monde. Alors, le frère, encore une autre fois, a retrouvé lui dans la rue. Vous voulez vraiment changer votre vie? Alors, j'ai dit, je ne vais pas donner l'argent, je vais mettre vous dans un bus. Alors, je considère que le travail qu'ils vont faire. C'est 10 fois meilleur que le travail que je faisais avant comme comportant. Je vais dire à vous que tous les jours vous avez une opportunité de ravoir des gens devant vous, dans la rue. Frère, a plupart de pessoas que são FCPV são de gente que vão ter trovida na rua. Vous pouvez dire, oh, vous savez, vous semblez missionnaire. Vous pouvez dire um gente que está na rua. Prie avec essa pessoa. Il y a beaucoup de gente que são trans de changer. É possível. Vou apostar de gente pour le CPM. Qui va se compromettre? Obrigado, Ivan. Amém. Palmas pro Ivan. Um Valdonei de aplaudir, Ivan. Ele até conseguiu casar, rapaz, né? Ele arrivé à Marie. Que faz comportagem junto. Ele a Marie vai com comportou. E fez um comportagem melhor que lui. Entre debut, Dayane. Vou lhe fazer conectar você. Amém. Vixe, zerou aqui. Zerou. Ué, então vamos embora. Letão, você é fininho. Vamos não, Blin.